Salut. Enfin, re. Merde, j'ai pas mis le chat. Voilà, c'est mieux là. Alors. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends vos consignes. Attends, je vais juste dire que je relance, au cas où. On va voir Skype sur la à tous les coups, voilà. Génial. Merde, j'ai même pas tweeté ni rien, hein. Je fais ça en mode n'importe nawak moi. J'aime pas quand j'ai qu'un seul écran, ça me stresse. Du coup, tous les trucs qui passent devant la fenêtre de stream. Putain, juste à ce moment-là, l'écran va se réveiller. Allez, allez. Allez l'écran. Be cool, be nice. Si tu pouvais marcher, là, ça m'arrangerait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Putain, j'y ai cru pendant un instant. Donc là, je suis censée sortir pour aller chercher... À plus tard. Oui, Kate Walker. Pour aller chercher du... de quoi remonter le train. Parce que voilà, on a fini la dernière fois. Sur ton stream... Ouais, mais en fait, c'est juste que là, il fonctionne pas en tant que... capture de jeu. Ça marche pas. Il est pas reconnu comme un jeu, le truc. Du coup, je suis obligée de faire capture de fenêtre et là, il me capture forcément les fenêtres superposées. Donc là, je sais pas du tout où je suis, donc on va sortir de n'importe quel côté, j'ai envie de dire. Je suis dans un nouvel endroit. Il y a des pioux. Ça veut dire que je peux pas passer ça. D'accord. Bon, j'ai rien à leur donner, je suppose. C'est dire la qualité du jeu. Non, mais c'est juste parce que normalement il est pas censé être joué en fenêtré. C'est moi qui ai fait une bidouille et du coup je pense que ça empêche OBS de le reconnaître comme un jeu. Il fallait pas bidouiller. Alors j'ai un chemin par là ou un chemin par là. À part là, y a rien, je crois. Non. Donc là, je peux partir soit par là-haut, soit par là. Je peux partir par là. J'ai l'impression que le son du jeu est super fort. C'est peut-être juste pour moi, mais. Excusez-moi. Je vérifie un truc. Salut Raichi, comment ça va? Bon bah non. Rien. En tout cas, c'est arboré comme endroit. C'est moins qu'on puisse dire. Bah moi ça va, ça va. Enfin, ça caille un peu beaucoup là, mais... Oh chou. Merci. Tu peux pas passer par ici. Ah bon. Bon, on va pas passer par ici alors. Là, il y a pas de chemin, je crois. Il y en a ramassé. Bon, ben, on va essayer de l'autre côté. Ouais. Université. Bah là, je viens juste d'arriver, donc je découvre totalement. Hein. Là, je découvre. Pour l'instant, je me balade. On va aller par là, du coup.
Ouh, c'est grand. Ils sont là déjà. Ok. Bonjour. Vous êtes arrivé par le train, n'est-ce pas? Oui, je viens de Valadilène. Ah, il y a longtemps que j'ai pas vu de train. Vous amenez des étudiants? Non, je voyage seul. Enfin, presque. Je me souviens au début de l'automne, les trains amenaient des jeunes gens venus du monde entier pour étudier la zoologie, la botanique, la paléontologie. Toutes ces choses, quoi. Ici, c'était une grande université. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Aujourd'hui... Il y a longtemps que vous êtes le chef de gare de Barockstadt? Barockstadt, voilà le nom. Vous êtes la responsable de ce train? Non. Enfin, je ne sais pas exactement. Vous venez approfondir vos connaissances dans notre grande université? Oui. Oui et non. Je suis toujours à la recherche de renseignements. Et vous m'avez tout l'air de ne pas savoir grand-chose. Et votre train, là où il est, il va gêner, c'est sûr. En fait, je suis avocate chargée d'une enquête un peu spéciale. Une enquête? Vous savez, je ne suis qu'un simple arbre, j'ai rien à dire. Flippe pas, mec. Je ne sais jamais, tout le monde peut être important dans cette affaire. Moi, je suis au courant de rien, hein, et j'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais sous-entendu cela. Savez-vous où je peux trouver une machinerie susceptible de remonter les ressorts de ma locomotive? Pas dans cette gare, c'est sûr. Je le saurais. Peut-être vers le mur. Comptez-vous rester longtemps. C'est vrai que le son des voix me paraît vachement faible par rapport au... Enfin, au piou-piou derrière. Un ou deux jours. Bon, dès que la conversation est finie, je... J'ai besoin de remonter les ressorts de la locomotive pour poursuivre mon voyage. Je vais regarder. Si vous vous attardez ici, vous allez m'attirer des ennuis. Un train, ça s'arrête et ça repart, c'est la règle. Et puis votre engin, il perturbe les oiseaux. Peut-être pourriez-vous m'accompagner jusqu'à ce mur. À deux, nous aurions plus vite fait de trouver ce qu'il me faut pour remonter le train. Ma petite dame, le règlement est formel. Je ne dois pas quitter cette gare. Vous comprenez, je ne veux pas d'ennui avec ces messieurs de l'université. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bien vu. Alors, attends. Je pense que je dois pouvoir monter un peu. Ah, mais ça va monter les pieux avec. Bah, vous me direz. Du coup, ça monte les pieux avec, en fait, c'est complètement con. Excusez-moi de vous déranger. Alors, j'en étais où? Je me sens un peu perdue ici. J'aurais grand besoin de votre aide. Pour un renseignement, bah, je suis à votre disposition, ma petite dame. À tout hasard, le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose? Oh, pensez donc, avec tous les gens qui sont passés par cette gare. Je suis vraiment désolée d'encombrer votre gare, mais le mécanisme à ressort qui fait avancer cette locomotive est détendu. Une locomotive à ressort? Oh, c'est pas banal. Pas pratique non plus. J'ai toujours rêvé de prendre le train. Maintenant, je suis sans doute trop vieux. Et puis, il y a les oiseaux, il faut s'en occuper. Tous ces oiseaux dans une gare, c'est étonnant. C'est pas une simple gare, même. Salut, Oxydo. Ces oiseaux constituent la prestigieuse collection ornithologique de l'université de Barockstadt. Cette volière a accueilli au fil des ans les espèces les plus surprenantes, ramenées des quatre coins du monde. Je ne suis donc plus un simple chef de gare. Je me dois de veiller sur tout ce petit monde. Oh, c'est pas une mince affaire, ça je vous l'assure. Je veux bien vous croire. Le plus dur, voyez-vous, est de préserver une sorte d'harmonie entre toutes ces espèces. Hélas, un jour, un explorateur a rapporté un coup d'Amerzone. Amerzone, c'est un autre jeu de... du même mec. Une idée regrettable. Point, coucous, point anecdote. Ce maudit volatile dépose ses œufs dans le nid d'autres espèces. Mais en plus, il pousse en dehors du nid les autres œufs qui s'y trouvent pour que seul le sien soit couvé. En effet, voilà un oiseau bien exclusif. Mais vous ne pouvez rien faire pour en empêcher?
La faculté a déclaré que cet oiseau était un spécimen rare auquel il ne faut pas toucher. Seule notre règle mécanique nous permettait de limiter... Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite merveille montée sur rail aérien est capable de ramasser périodiquement les œufs parasites. Malheureusement, depuis des années, cet aigle ne fonctionne plus. Et il m'est impossible de ramasser ses œufs moi-même. Pourquoi? Je n'ose plus monter sur la... Bonjour, passage. Alors qui c'est que j'ai... Salut Moule, salut Monnier, salut Hardy, salut Fraise. Maintenant, j'ai un épouvantable vertige. Ah, mais Zoom, c'est léger. Ouais, le jeu est pas super. Monsieur. Ça doit être bien ennuyeux. Les œufs des coucous s'entassent dans les nids. Les recteurs vont finir par s'en apercevoir. De graves problèmes en perspective. Oh, j'ai bien du souci. Bon, du coup, j'ai pas lu la moitié de la conversation, mais c'est pas grave. Bienvenue à Barockstadt, mademoiselle. Bon, alors... Mais oui, il est joli ce jeu. Attends, tu viens de ramasser quoi là? Crochet. Ok. Pas aller dans la flotte, je suppose. Bah non, toujours pas. Bon bah, on laisse tomber hein. Ok, ok. Je vais voir du côté du train et après je vais sortir, je pense. Putain, mais les oiseaux, quoi. Focal. Sérieusement. Il y a des fientes partout. C'est génial. Magnifique. Un petit piou. Ah, il est parti. Blop, 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 blop. Où que suis-je? Tu as masse de trucs à faire à la fac avant. Salut PCcile. C'est joli, waouh. La vache. Ah, je suis totalement saucée par le décor, en tout cas. Très sympathique. Cette machine ressemble au remonte-train que j'ai utilisé dans la gare de Valadilène. Il faut que je trouve un moyen d'amener la locomotive jusqu'ici. Attends, de quelle machine tu parles, la cocotte? Ça, là? Ah bon? Dans un tableau d'Hubert Robert. Alors je vais encore faire preuve d'inculture, mais je connais pas. Désolé. Mes excuses les plus humbles. Familier de Robert Hue. Oh, c'est beau! Je sais pas comment ça rend en stream, mais c'est beau! C'est dommage que je joue pas en plein écran, là, tu vois. Mais rien à faire là-dedans. Approche-toi un peu, cocotte. Allons voir ce qui se passe par là. Non, tu veux pas? Non? Bon. Bon, bah, tant pis. Y'a rien à faire là? Comme bizarre. On peut pas s'approcher plus que ça? Bon, d'accord.
Bon, eh bien... En plein écran, ce serait un chouille pixelisé. Ouais, c'est peut-être pas plus mal que je joue en timbre poste, alors. Oh, il y a des nuages et tout. Wow. Peintre de ruines du 18e. Point scénario. Oula. du tout début. Je m'en demande beaucoup, là. En gros, on est une avocate américaine. On débarque en France, enfin dans les Alpes, parce qu'on est censé... On est censé racheter une usine d'automates qui appartient à la famille Vorarlberg. Et donc, le problème, c'est que quand on arrive pour faire le deal, en fait, la nana, la dernière héritière vient de mourir. Voilà. Donc c'est la merde. Du coup, on va voir le notaire. Le notaire nous dit « Ah mais non, en fait, il y a un héritier caché. Ah ah, t'es niqué !» Et donc, du coup, nous, on doit retrouver l'héritier caché. Kate Walker, venez me voir, s'il vous plaît. Je dois vous informer de quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? L'usine d'automate. Et donc, du coup, nous, on doit retrouver l'héritier. Sauf que l'héritier, c'était un timbré. Et il s'est barré quelque part en Sibérie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est quelque part en Sibérie. Donc, voilà. Et du coup, bah, nous, on se laisse entraîner un peu dans cette aventure. Et notamment, on répare lui, là, celui qui vient de nous parler. C'est un automate, en fait. Et il s'avère que lui, c'est le conducteur d'un train automatique à ressort. Et bah nous, vu qu'on a un sens de l'aventure surdéveloppé, bah on monte dans le train sans même chercher à savoir où est-ce qu'il va. Parce qu'on pense que ça va nous aider à retrouver Hans Vorarlberg, donc la personne qu'on cherche. Le dernier héritier. Et donc voilà, et on en est là. Et là, on a pris le train et on s'est arrêté dans une ville qu'on connaît pas. Parce que le mécanisme du train s'est détendu. Donc là, on doit essayer de trouver un moyen de remonter le ressort du train. Voilà. Et donc on se balade un peu. Là, je viens d'arriver, donc je découvre totalement l'endroit. Et voilà, vous avez en gros tout ce qu'il y a à savoir, je crois. Eh bien, de quoi s'agit-il, Oscar ? Enfin, sans les un détails. Un message est arrivé pour vous. Un message ? Il s'agit d'une convocation des recteurs. Ce sont les plus hautes instances de l'université. Ouais. Ils souhaitent s'entretenir avec vous. Avec moi ? Oui, avec la responsable de ce train. Parce que j'en suis la responsable maintenant. Pourquoi ces messieurs veulent-ils me voir ? Ils ne précisent pas à quel sujet. Juste que c'est très important. Je sens que le crochet va servir pour réparer le train. Ah bah oui. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, le crochet, mais bon. Tout va bien, Oscar ? Oui. C'est un point and click, hein. Tu cliques sur des trucs, tu les ramasses, tu t'en sers pas longtemps après. Vous devriez visiter cette gare, Oscar. Elle est extraordinaire. Ses verrières lumineuses, ses arbres exotiques, et puis tous ces oiseaux multicolores. Je dois éviter d'exposer mes engrenages à l'action corrosive des fientes d'oiseaux. Je reste donc à l'abri et je surveille la locomotive. Évidemment. Eh ben tant pis pour vous. Cette locomotive est sûrement une petite merveille technologique. Mais reconnaissez que l'autonomie limitée de son moteur est un véritable souci. Je ne vous suivrai pas dans ce genre de considération. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux les voix par rapport à la musique, etc. À plus tard. Oui, Kate Walker. On m'entend pas trop fort par rapport à Royce, enfin bon. Pour une fois que c'est pas moi qui dois faire l'ingé son. Oscar, c'est une lopette. Bim. Oui, non, mais c'est totalement une lopette. C'est ok, tant mieux. Alors, cette fois-ci, on va aller par là. Soit je vais là, soit je vais là-bas, soit je vais là. Bon. Les voix sont bien. Ouais, les voix sont... Ça va. Franchement, ça va. Bon, il y a quelques voix qui sont un peu bizarres parfois, mais... Dans l'ensemble, ça va.
Là, il y a un truc. Ah. Un téléphone. Ça semble être cassé. Ah, bah voyons. Je me disais bien aussi si c'était trop facile. Je peux rien faire avec ça. Si j'essaie de coller le crochet dessus, non? Non. Bon. Panap. Sa mère est RP, tellement. Faudrait que j'appelle ma mère pour que vous vous entendiez un peu sa voix. Oula, attendez, je viens de là-dedans, moi? Ok. Non? On va par là, alors. Ah, oh, c'est grand. Ah! Diantre. Allez, cure, forêt, cure. Je comprends mieux quand tu me parlais de l'angoisse des grands espaces nordiques. Je comprends totalement. Attendez, on va juste aller par là pour vérifier s'il n'y a pas des trucs à ramasser par terre. Nope. Bon. Bon, on est reparti alors. C'est super grand, je sais pas où je vais. Ah, des gens. Des gens, c'est cool. Du bateau. Ohé. Genre on dit ohé du bateau aux gens. Mademoiselle. Mon mari dire bonjour, petite dame. Toi veux nous parler? Oh, oh, oh là, oh là là. Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate et je me retrouve responsable de ce train. Cette situation est toute nouvelle pour moi. Avocate, bon métier, gagner beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, c'est vite dit. Mais bon, je dois pas me plaindre, il y a pire. Avocat toujours demander beaucoup d'argent. Changeons de sujet, s'il vous plaît. Je n'ai aucune envie de me lancer dans ce débat. Vous êtes de Barockstadt? Niette. Alors vous êtes comme moi, des oiseaux de passage. Moi, je suis bloqué ici à cause de mon train. Cet accent trop raciste. Que dit-il? Train cassé, pas de chance pour toi. J'ai un petit problème avec mon train. Il est, en quelque sorte, cassé. Or, il faut absolument que je le sorte de cette gare. Pourriez-vous le tirer vers le mur avec votre péniche? Écluse fermée, péniche bloquée. Mais si les écluses étaient ouvertes, vous accepteriez de remorquer mon train? Pourquoi non? Mais mon évon va déverquer. Da, possible. Mon mari dit, nous aidez-toi, si toi donner argent. Ah bon? Et combien voulez-vous? 50. Il veut 150 dollars. Quoi, 150 dollars? Mais je les ai. Je sais pas si c'est allemand, parce que le mec, il dit des mots, on dirait pas de l'allemand. Je vous propose 75 dollars. Nein, 125 dollars. Pas question. 100 dollars et pas un sou de plus. Correct. Faut avoir péniche pour 100 dollars. Parfait. Surtout, ne bougez pas. Rika, mon pote. Avec l'argent. Bah alors, comment ça va? Ça faisait une paye. Là où j'en suis? Vous devez en voir du pays. Vous connaissez New York? Non, pas comprendre. Je suis à la recherche d'un drôle de petit bonhomme qui est censé vivre en Sibérie. Vous imaginez? La Sibérie. Vous y êtes déjà sûrement allé? Vivrague comme fou de Sibérie? Sibérie? Non. Trop froid, péniche, pas pris ses classes. En espérant, hein? Sérieux? Où j'en suis?
J'espère que mon train n'est pas trop lourd pour votre péniche. It's ok. Motorboot, erste Klasse. Ça mélange plein de trucs. Moteur puissant. Notez que la distance qui nous sépare. Je suis dans un idéal communauté linguistique. C'est bête, hein, pour quelques mètres. Mettre train dans péniche, ah non, pas possible. Êtes-vous descendu pour faire un tour dans la gare? Elle est vraiment extraordinaire, vous savez, avec tous ces oiseaux exotiques. Mettez moi goul, ya, ya met plaisir. Nous pas bouger, mon mari mal de terre. Je suis pas sûre que ce soit ce qu'il a dit là, mais enfin bon. C'est quand même pas très correct de tirer profit de ma situation. Par solidarité, on pourrait se rendre service gratuitement. Service, service. Alors, boule notre foule. Monnaie, ya, boule, foule. Pardon? Ma mari dit besoin d'argent pour vivre. 100 dollars, pas cher. Pas grand chose pour grande dame comme vous. Ça fait très longtemps que t'as pas eu de connexion. Mais qu'est-ce que vous en savez? Non. Une grande dame comme moi. Oh, ce rire. Je vous laisse, je ne voudrais pas vous déranger davantage. La Svidania. Ah, ça je connais. Bon, donc là il y a le bateau, ok. Est-ce que je peux leur donner le crochet? Non. Bon, on verra ça plus tard alors. On va aller faire un tour de l'autre côté. Comment allez-vous? Eh bah ben, ça va, écoute, ça va. On se les gèle, mais ça va. Je commence à avoir faim aussi, mais voilà. Comment ça se fait que t'avais pas de connexion pendant tout ce temps? Salut Isoy. Par là y a rien, là y a rien. Bon, bah je crois qu'on va devoir rentrer dans le truc. Hein. Trouver 100 dollars dans ce bled, c'est à peu près ça. Ouais. Y'a un Jean là-haut ou c'est moi qui rêve? Non, ok, c'est moi qui ai des hallucinations, tout va bien. Et je vois un Jean là. Ah, il faut peut-être que je passe là. Oui, y'a des grosses bêtes là aussi. Bonjour. Ah putain, non, j'ai des hallucinations en fait. J'ai envie de fromage. Je suis désolée. Salut Kyusei. Ah mais il y a plein de monde. Comment se fait-il? Alors c'est quoi? C'est une énigme? C'est un... un truc de fou? Il y a quoi là? Ah je peux faire le tour, waouh. Qu'est-ce qu'il y a à regarder là-haut? Ce truc est coincé. Bon, c'était pas ça. Il va me falloir un truc là, visiblement. Ce truc est coincé. Ok, ok, ok. Je reviendrai là quand j'aurai trouvé un truc. Le problème dans ce jeu, c'est que pour l'instant, les énigmes, ça se résume surtout à trouver des trucs et à les mettre au bon endroit. Enfin, bon. J'espère qu'il va y avoir des vraies énigmes après. Ce serait cool. Parce que j'aime bien les vraies énigmes. Bonjour. Salut poupée. Ça gaze? T'as de beaux yeux, tu sais. Puis bien roulé avec ça. Non mais... pour qui vous... Oh mon dieu. Oh ce cliché. Elle a ton petit caractère, la fille. J'aime ça. Allez, j'accepte de t'offrir un café. Mais je vous ai rien demandé. Fais pas la farouche, je sais que t'en meurs d'envie. Écoute gamin, retourne jouer avec tes petites voitures et oublie-moi. Ok. Non mais attends, mais le mec c'est un cliché vivant. Bonjour. Salut poupée. Ça gaze? Ça gaze? T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. Non mais, pour qui vous... Ah mon dieu. Elle a son petit caractère, la fille. Ok. Tout va bien.
L'ambiance ressemble un peu à Myst. Bah, j'ai jamais fait aucun Myst en fait. Enfin, il me semble qu'il y en a plusieurs, mais. Jamais, jamais. Un jour peut-être. Je les ai pas donc. Faudrait que j'investisse déjà. J'ai Atlantis à faire avant déjà. Tiens, va te pendre là-haut avec ton crochet, toi. Non. Non. Oh. Eh, hey, mammouth. Mammouth. Il y en a 5 ou 6. Ah oui, quand même. Regarde le mammouth, toi. Non, il te plaît pas le mammouth. Mais regarde-le au moins. C'est pas tous les jours qu'on voit un squelette de mammouth. Non, mais la meuf, quoi. Tu veux pas regarder le mammouth? Non. Bon, ok. Merde, ça revient vers l'autre côté. Il y a un MMO Myst. Ah ouais? Salut Aina. Monte l'escalier. Oh là là, les gens. Attends, je vais faire tout le tour de la salle avant de descendre. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Ah, bon bah non alors. Oh là là, c'est grand. Faut pas avoir la peur des grands espaces, hein. Je me souviens un peu du nom, mais. Bon. On peut rien faire avec ça, c'est bizarre, il y a un truc là, on peut rien en faire. C'est assez étonnant. Pareil, on peut pas lui parler à lui. Oh merde alors. Bon. Eh bien, nous sommes repartis alors. Tu pourrais descendre les escaliers en courant quand même. Universitat. Brockstadt. Et il y a un putain de gros mammouth. C'est un truc de fou. Ah, une porte. Une porte, c'est cool. Wow. Ah ça, c'est typiquement mon rêve, vous voyez. Un truc énorme, rempli de bouquins. Ce serait tellement cool. Une vraie bibliothèque. Pas comme dans ma fac où la bibliothèque est pourrave. Je peux faire tout le tour comme ça, vous croyez?
forcément un truc à faire. Là. Dictionnaire illustré des plantes et des champignons. Collectif de la Société des Amis de l'Université et des... Putain, j'arrive même pas à lire. Naturaliste de Barockstadt. Il y a un... Je sais pas, un dodo, on dirait. Le Yangola Cola. Je sais pas si vous arriverez à lire, vous. Est un champignon coriace sans pied de la famille des polypotes. Le Yangola... Gola ou Gala? Gala, je crois. Yangola Cola. Pousse exclusivement sur le tronc de certains arbres de la jungle amazonienne. Quoique comestible, s'il est consommé jeune, le Yangola Cola ne possède pas un réel intérêt gastronomique du fait de sa chair ligneuse, je ne sais pas ce que veut dire ligneuse, relativement insipide. Comment expliquer alors le grand intérêt des tribus autochtones pour ce champignon? Après de longues recherches scientifiques, les biologistes sont arrivés à la constatation que le Yangola Cola contient une substance très particulière et unique au monde. Celle-ci a, en effet, l'étrange faculté de décupler l'acuité visuelle de celui qui en absorbe. Qualité précieuse depuis longtemps découverte et utilisée par les chasseurs indiens d'Amazon. Super. Généralement réduit sous forme de poudre, le Yangola Cola est avalé avant chaque départ à la chasse. Grâce à son effet immédiat, la vue de chasseur devient extraordinairement plus puissante, non, perçante, pardon, et celui-ci peut alors viser et atteindre à coup sûr sa cible, souvent cachée dans la végétation luxuriante qui l'entoure, même située très loin. Putain, mais je suis en train de me défoncer les yeux parce que j'arrive pas à lire. Truc de fou. Voilà, donc on a un truc sur un champignon qui nous fait voir loin. C'est bien. Il n'y a pas autre chose pendant qu'on y est? Non, je pense pas. Dans le doute. C'est des pioux. Ça aussi, c'est un rêve d'un jour aller dans une bibliothèque où il faut une échelle pour atteindre les trucs. Genre à l'ancienne, vous voyez. Ça se fait plus ce genre de trucs, si. Si quelqu'un sait où je peux aller dans une bibliothèque comme ça, alors là, je prends direct. Je suis preneuse totalement. Oh merde, j'ai refait le tour. Je suis débile. Excusez-moi. Puis-je vous déranger quelques secondes? Non. Vous pourriez être un peu plus aimable. Et vous, vous pourriez vous taire? Nous sommes tout de même dans un lieu qui exige silence et tranquillité. Oh, cette façon de parler. La mythologie rejoint... Bah, l'Amazone, je l'ai fait il y a tellement longtemps que je me souviens plus du tout de l'histoire ou de quoi que ce soit, d'ailleurs. Bon, lui, il veut pas parler... Bah parle lui. Non? On va parler à lui alors. Ah, il y a un truc là. Bon, ça va, elle se gêne pas. Putain, mais ça parle que de la merzone. C'est fou ça. Faut encore que je vous fasse la lecture ou vous pouvez lire? Non, parce que si vous pouvez lire, moi ça m'évite de m'éclater les yeux. Enfin, si, je les vais lire quand même, mais bon. Coucou rouge de l'Amazone. Il est mignon ce petit piou. Le Cuculus rosso. Putain, mais j'arrive pas à lire. Mais quelle idée d'utiliser des écritures pareilles, quoi. Plumage du mâle affiche un rouge vermillon. Alors que celui de la femelle est un peu plus roux et plus neutre. Coucou rouge occupe les zones les plus secrètes et les plus boisées de la merzone. Il est avant tout inféodé, j'aime bien les mots. Inféodé à la canopée équatoriale où il mène une vie discrète. On peut pas lire s'il vous plaît. Salaud. Le voyageur pourra néanmoins l'observer dans d'excellentes conditions quand l'animal prend le parti de s'aventurer à plus faible hauteur à la recherche des baies de Sauvignon. Sauvignon? Ok. Sauvignon forestier. Centre
une sorte de vigne sauvage locale. Oh, oh. En effet, ce sont de petits arbustes qui fournissent à notre oiseau l'essentiel de sa nourriture. Des raisins juteux dont il est particulièrement friand. Le coucou rouge a pour habitude de se gaver littéralement de ses fruits au point de présenter tous les signes d'une ivresse évidente. Il est... Ah ouais, d'accord. En fait, c'est un pocheron, le truc. Bref. Il est alors une proie facile pour tout ce que la jungle compte comme prédateur. Car manger et être mangé, telle est la loi immuable de la nature. Ouais. Reproduction. Putain, mais il y a combien de pages comme ça? À l'instar des autres espèces de coucou, le coucou rouge. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça qu'il me parlait de coucou tout à l'heure, ok, ok. Ce parasitisme permet à l'espèce de se reproduire en grand nombre et sans se fatiguer. Ok. Femelle du coucou quadrille son territoire à la recherche. Salut Duck Bomb. Denis en construction. Elle choisit le moment où les propriétaires sont absents pour venir pondre, généralement l'après-midi alors que l'hôte pond. En principe au petit matin. Après avoir déposé un œuf dans le nid de son choix, la femelle retire un de ceux de l'hôte qu'elle ira détruire ou manger plus loin. Mais c'est dégueulasse! L'œuf du coucou éclos généralement avant ceux de ses frères adoptifs, puis par un mécanisme instinctif, le poussin se débarrasse aussitôt de sa dernière. Mais genre les parents adoptifs, ils vont le nourrir quand même. Mais c'est complètement con, hein, Piou. Ils subissent un phénomène de mimétisme pas parfait mais suffisant pour être accepté par bien des espèces. Eh ben... C'est pour ça qu'il faut pas toucher les œufs d'ailleurs. Les œufs de... De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ah, dernière page. Il constitue d'ailleurs un des fleurons des collections ornithologiques de l'université de Barockstadt. Eh ben... Le Sauvignon forestier. Oh, oh. Cool. Bon. Tu peux pas... Je peux te reparler maintenant ou tu vas encore m'envoyer paître? Excusez-moi. Puis-je vous déranger quelques secondes? Non. Vous pourriez être un peu plus aimable. Et vous, vous pourriez vous taire. Nous sommes tout de même dans un lieu qui exige silence et tranquillité. Ouais, 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 ouais. Bon. Je peux te pendre? Non, ok. Est-ce que je peux te filer un truc? Ça non. Ça non. Cette voix est particulièrement immonde, je dois dire que là... Bon, bon. Elle me dit quelque chose, la personnage disait... Oui, 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 effectivement. Point, 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 point. Bon. Qu'est-ce que j'ai pas encore été visiter là? Je sais plus d'où je viens. Papa. Bah. Si. Non, pas de là, je crois. C'est quoi ça? Ah, si, c'est peut-être de là que je viens. Ou pas. Bio.
Oh, eux, ils ont l'air d'être les gens à qui je dois parler. Bonjour, messieurs. C'est à quel sujet, jeune demoiselle? Que nous vaut donc l'honneur de votre visite? Soyez bref, s'il vous plaît. Il s'agit de ne pas nous embarrasser trop longtemps. Les recteurs de cette université ont de lourdes responsabilités, et leur temps est précieux. On m'a fait savoir que vous souhaitiez rencontrer la responsable du train qui stationne à la gare. Puis-je connaître la raison de cette convocation? Nous nous étonnons que votre train ne reparte pas, mademoiselle. C'est fâcheux. En effet, le règlement stipule que les trains sont faits pour aller et venir, pas pour demeurer à quai. Un train, ça doit s'arrêter, puis repartir. C'est la règle. Vous êtes obligé d'à chaque fois parler tous les trois. Mes chers collègues, nous avons affaire là à un comportement passablement aberrant. On dirait les trois juges, mais c'est ça. C'est vraiment très préoccupante. C'est un train à ressorts. Il suffirait de remonter les ressorts. Malheureusement, il n'y a rien dans la gare qui puisse me dépanner. Un train à ressorts? Comme c'est étrange. Comme c'est amusant, oui. Une sorte de jouet mécanique, en somme. Vous nous embarrassez, mademoiselle. J'ai bon espoir de trouver du côté du mur de quoi me tirer d'affaire. Au mur? Mademoiselle, cet endroit n'est pas du tout recommandable. Surtout pour une jeune femme. Voyez-vous, mademoiselle, nous concédons volontiers que tous les jours, nous nous réjouissons de l'existence de cet édifice, car nous lui devons la préservation de l'intégrité de notre chère université et du noble enseignement qu'elle prodigue. Il nous protège des outrages et des agressions de l'inconnu. Que Dieu nous protège de ce qui est de l'autre côté de ce rempart, mademoiselle. Croyez-le. Je n'ai pas le choix, je dois poursuivre mon voyage. Nous louons cette décision en accord avec notre règlement. Ainsi, votre train repartirait bel et bien. Oui, et il cesserait par là même de nous embarrasser. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Kate Walker. Walker, Walker, n'avons-nous pas déjà eu une Walker, maîtrise d'ethnologie, septembre 1953, si mes souvenirs sont exacts? Parfaitement, cher collègue, mais si je puis me permettre, un Walker et non une. Souvenez-vous, Bill Walker, session de juin 68. L'effronté s'était présenté en blue jeans aux oraux, au mépris du règlement interne, pourtant fort explicite pour ce qui est de l'uniforme exigé. Une provocation scandaleuse! Hélas, nous avons vu bien pire depuis. Ah, les jeunes, plus aucun respect pour la tradition et les valeurs. La tradition, jeune demoiselle. Il faut respecter la tradition. Tout ça pour mon... Voyez-vous, mon but n'était pas de m'arrêter ici. Ce sont les ressorts de la locomotive qui ont lâché. Vous comprenez? Non, pas vraiment. Vous n'êtes donc pas une étudiante? Vous arrivez un peu tard, mademoiselle. Les inscriptions de ce trimestre sont déjà terminées. Mais en tant que recteur de cette université et donc représentant de l'autorité suprême, nous pourrions envisager de faire une petite entorse au règlement. Non, non, je suis avocate. Je viens de New York. Enfin, de Valladolid, plus exactement. Mon client désire racheter une vieille fabrique de jouets mécaniques. Mais l'héritier, qui en fait n'est pas mort, est quelque part en Sibérie. Je dois lui faire signer l'acte de vente. Vous comprenez? Non plus. Mais voilà une bien étrange histoire. Une histoire bien embarrassante. Sachez que nous avons d'excellents cours de droit, si vous changez d'avis. Pourriez-vous m'aider à... Mademoiselle, vous devez réaliser que votre insistance devient passablement indécente. Nous ne sommes pas perpétuellement à votre disposition. Nous devons répondre à bien d'autres sollicitations. Vous Lui, c'est le chieur. Vous seriez capable de ne pas nous déranger en permanence. Est-ce que par hasard le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose? Ah, un des plus pittoresques et brillants éléments qu'ait vu passer notre université. Hans Vorarlberg. Je me souviens lui avoir adressé une fois la parole. J'étais encore étudiant à l'époque. Il m'a juste rendu un long regard pensif. Il n'avait guère de conversation, mais comment oublier ce personnage? Pittoresque, je vous l'accorde, mais brillant, n'exagérons rien. Il fut bien incapable de satisfaire au moindre examen. Il se contentait de suivre les cours, et encore pas tous. Ceux de paléontologie principalement. Il est vrai que sa passion maladive pour les mammouths concordait parfaitement avec son cerveau, disons, très préhistorique. Préhistorique? Comment osez-vous? Un peu fantasque, voilà tout. Mais il avait des fulgurances intellectuelles que seuls pouvaient comprendre ceux qui ne s'attachaient pas aux apparences. Vos conclusions hâtives sont passablement cavalières, chers collègues. Mes propos sont parfaitement sensés. Enfin, ce garçon était un peu particulier, convenez-en.
Si mon père, alors recteur de l'université, n'avait pas fait preuve d'une grande mansuétude, Hans Vorarlberg ne serait jamais demeuré parmi nous. Et le kiosque à musique? C'est l'œuvre d'un esprit dérangé, selon vous? Après toutes ces années, vous en êtes encore jaloux. Chers collègues, je vous en prie, reprenez-vous, voyons. Nous avons de la visite. Et que lui voulez-vous à Hans Vorarlberg, mademoiselle? Êtes-vous de sa famille? Non, non. Je suis à sa recherche pour régler une affaire de succession. Est-il toujours ici? Ici? À l'université? Oh non! Pensez-vous, voilà bien longtemps qu'il en est parti? Oh oui, bien longtemps. L'année de ma nomination à ce poste. Presque 50 ans, déjà. Le bougre est reparti quand il a su tout ce qu'il y avait à savoir sur les mammouths. Ah, l'université ne fut jamais tout à fait la même après son départ, il faut bien l'admettre. Elle ne s'en porta que mieux, oui. Ce loustique apportait dans nos murs une fantaisie complètement déplacée. Messieurs, messieurs, gardons, je vous prie, le calme et la pondération qui sied à notre fonction. Excusez-moi. Mademoiselle, nous sommes terriblement embarrassés par la présence de votre train et par son immobilité récurrente. Oui, cela devient très fâcheux. Votre grosse locomotive est si encombrante. Un train doit s'arrêter puis repartir, c'est la règle. 50 ans de retard, tellement. L'idée d'une gare volière, c'est vraiment un concept original. C'est effectivement la fierté de notre université. Une des spécialités enseignées ici est la zoologie, voyez-vous. Plus particulièrement, l'ornithologie. Et un enseignement bien conduit ne saurait se contenter d'une étude livresque. La contemplation du vivant est indissociable des cours théoriques. Nous avons d'ailleurs ici des spécimens très rares, rapportés de lointaines contrées exotiques, spécialement pour notre université, par des explorateurs intrépides. Vous rappelez-vous d'Alexandre Valenbois et de son drôle d'oiseau? Oh oui, absolument. Un cadeau qui s'est révélé à terme très embarrassant. Un cadeau empoisonné, on peut l'affirmer. Notez que la situation aurait pu être encore bien plus inquiétante. Oui, terriblement problématique. Tant de blabla. Sauriez-vous s'il existe du Sauvignon forestier, ici à Barockstadt? Tout à fait. Pas du tout. Il veut dire pas du tout. Nous voulons dire que nous savons tout à fait qu'il n'existe pas du tout de Sauvignon forestier ici, à Barockstadt. Ah, vraiment? Vous êtes sûr? Parce que j'ai lu dans un livre que Barockstadt en possédait quelques plans. J'ai bien envie de chercher un peu. L'ornithologie, l'étude des ornithores. Pas de question, mademoiselle. Le recteur adjoint veut dire qu'il nous paraît prioritaire que vous dégagiez votre locomotive de la gare. Vos recherches peuvent attendre votre prochaine destination. Oui, oui. Votre locomotive doit quitter la gare de Barockstadt de toute urgence. Donc vous n'avez pas de temps à perdre en visite inutile. Le règlement, mademoiselle. N'oubliez pas le règlement. Un train, ça doit s'arrêter, puis repartir. Vite. Ouais. Ok. Oh, pardon. Des mariniers ont accepté de tracter le train, mais je n'ai pas assez d'argent pour les payer. J'ai pensé que vous pourriez me dépanner. Momentanément. Je pourrais travailler pour cet argent. Veuillez patienter, mademoiselle. Nous devons conciliabuler. Oui, c'est ça. Nous devons conciliabuler entre nous. Une décision collégiale doit être prise. Et j'espère que nous ne vous embarrassons pas trop. Voilà, voilà. Pourquoi pas? Si cela peut aider à nous débarrasser de ce train. Ma foi, c'est une bonne idée. De quoi s'agit-il, monsieur? En arrivant, vous avez dû remarquer le splendide kiosque à musique qui trône dans la cour d'honneur de notre université. Mm-hmm. Une pièce automatique unique et admirable, qui ne fonctionne malheureusement plus. Nous l'avouons, nous conservons un souvenir ému de ces mélodies. Nous serions prêts à vous dédommager financièrement si vous le remettiez en état de marche. Ce serait avec plaisir. Que dois-je faire exactement? Hélas, cher enfant, dans cette université, le temps et la rouille ont arrêté des tas de choses. Et s'occuper d'automates n'est pas de notre ressort. Il va donc falloir vous débrouiller. Cool. Pour tout vous avouer, il semble qu'ici, à Barockstadt, beaucoup de fonctionnements procèdent d'une mécanique très complexe dont le mode d'emploi a été malencontreusement égaré. Mais si on considère l'ingénieuse conception de votre train, rien de ce qui est mécanique ne doit vous être étranger, n'est-ce pas? Nous comptons donc sur votre ingéniosité, mademoiselle.
J'essaierai de me montrer digne de votre confiance, messieurs. Eh bien, chers collègues, voilà une affaire rondement menée. Nous causons, mais c'est l'heure du thé. Déjà ? Mon Dieu, comme le temps passe vite. Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Je vous remercie infiniment, monsieur. Ah, mais donc ! Bon, donc faut que je répare le truc, ce que je comptais faire de toute façon. Mais bon... Pas aller là-bas. C'est moi ou c'est la voix, je sais pas, t'es la deuxième personne à dire ça, mais j'ai pas joué à Tomb Raider, donc... Donc là, c'était la bibliothèque, on a vu qu'il y avait rien d'intéressant... Donc il y a toute la deuxième partie que j'ai pas fait encore. Est-ce que je peux aller là? Reoxydo. Oh merde, non, je peux forcément que aller là. Bon, ok. C'est possible, c'est un jeu cryo, non? Je crois pas. Cryo, ça avait cessé d'exister depuis un certain temps, quoi, c'est sorti, je crois. Oh, il y a un mec là. Incroyable. Toi. Talk to me. Excusez-moi. Microïd, ouais. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sourd. Je suis désolée de vous déranger dans votre travail, monsieur. Ce jeune Mammutus Primigenius est vieux de 40 000 ans. C'est pas formidable, mademoiselle ? Oui, probablement. Probablement quoi ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ? Que puis-je pour vous, cher enfant ? Pour tout vous dire, je ne connais pas grand-chose au mammouth, et je ne suis pas ici pour étudier. En fait, je suis avocate. Personne n'est parfait. Et pourtant, l'étude du Pléistocène est passionnante. Je n'en doute pas. Mais j'ai bien peur que ma mission actuelle m'accapare totalement. Une autre fois, peut-être. C'est ce qu'ils disent tous. Enfin, au cas où, je me présente. Cornelius Ponce, professeur honoraire et maître de conférences à l'université de Barockstadt. J'ai l'honneur d'assumer la charge de directeur du département de zoopaléontologie de notre faculté. Kate Walker, enchantée. Il n'était pas dans mon intention de m'arrêter ici, mais je l'avoue, cet établissement en impose vraiment. Tant de savoir, tant de connaissances, tant de culture, tant d'intelligence, de matière grise. Moi qui vous parle, j'y suis arrivé pour mes études et je n'en suis plus jamais reparti. En fait, je me retrouve ici suite à une convocation des recteurs de cette université. Oh, je vois. Vous avez du mal à remplir votre formulaire d'inscription au cours. Oh, non, je ne suis pas venue ici pour étudier. Je suis chargée de régler un problème de succession. Et je suis à la recherche de l'héritier présumé. Et vous espériez le trouver ici ? Oh, je ne sais pas au juste. Mais mon train est en panne en entrant en gare de Barockstadt. Eh bien, mon enfant, profitez de cette opportunité pour assister à un de mes cours. Tenez, savez-vous ce que sont les proboscidiens ? Des quoi ? Vous voyez, il faut impérativement rafraîchir vos connaissances. Je me sens un peu seule et perdue ici. J'aurais grand besoin de votre aide. Oh, ma chère enfant, vous tombez très mal. Je dois absolument terminer de préparer mon cours. Un cours sur les mammouths ? Oui et non. Plus général. Il s'agit de leur migration. Excusez-moi, j'ai besoin de me concentrer. Pour tout vous dire, je suis à la recherche de Monsieur Hans Vorarlberg. Il est l'unique héritier d'une étrange usine dont mon cabinet doit négocier le rachat. Aux dernières nouvelles, il vivrait en Sibérie. Dès que mon train sera en état, je vais devoir poursuivre mon voyage vers l'Est. Ça va, ça va. Bah écoute, impec. Et toi alors ?
T'as enfin acheté Monster Hunter ? Avez-vous dit ? Dit quoi ? Le nom que vous venez de citer. La personne que vous cherchez. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Vous le connaissez ? Hans Vorarlberg. Ah, comment l'oublier ? Si surprenant, si inventif, si... C'est notre passion commune pour les mammouths qui nous a rapprochés. Sans elle, je l'avoue, jamais je ne me serais intéressé à ce débile sans âge et solitaire. À l'époque, nous étions tous les deux étudiants. Enfin, pas tout à fait. Hans suivait uniquement les cours de paléontologie. Une autorisation exceptionnelle pour quelqu'un qui ne possédait pas les diplômes requis. En échange de quoi, Hans faisait de menus travaux pour l'université. Votre Hans Vorarlberg ressemble beaucoup à celui que je recherche. Permettez-moi d'en douter, mon enfant. Hans était au-dessus de toute préoccupation matérielle et concrète. Se soucier d'une usine. Pensez-vous ? Dites-en-moi davantage sur lui, s'il vous plaît. Il a toujours été un mystère pour moi. Il parlait peu et semblait ne pas saisir le sens de ce qu'on lui disait. Il ne s'exprimait qu'à travers ses incroyables créations mécaniques. Inventions qui, je dois l'avouer, ont été pour la plupart fort appréciées par notre université. Les seules fois où nous échangeons quelques phrases, c'était à propos de son étrange intérêt pour les mammouths, et aussi au sujet de cette poupée, cette fameuse poupée. Une poupée, dites-vous ? Merci, Noir, oui, de faire le... revenait souvent dans son discours. Faire le résumé, parce que... Bon. Hans m'en a fait un jour la description, une sorte de jouet. Un mammouth miniature chevauché par son cornac. Il semblait l'avoir découverte dans une grotte non loin de chez lui, dans des circonstances apparemment dramatiques. Son récit fut confus, mais a néanmoins éveillé chez moi un grand intérêt. C'est-à-dire ? À ma connaissance, des figurines de mammouths chevauchés d'un cornac, seuls les Yukol, une tribu vivant aux confins de la Sibérie, en confectionnent. Elles constituent pour eux des objets sacrés, illustrant une de leurs principales légendes. Comment cette poupée serait-elle venue de l'extrême nord sibérien pour atterrir dans une grotte des Alpes françaises ? D'autant que l'argent du stream arrive grâce à Xenon. Cela reste encore pour moi un mystère. Moi, je fais pareil avec Sibéria, mais bon, je pense que je vais attendre longtemps. Vous dites vous-même qu'il semblait ne pas jouir de toutes ses facultés. Non, c'est impossible. Good luck, c'est ça. Il a pu inventer tout ça. Il m'a très exactement la poupée sacrée de la légende de Sibéria. Une chimère après laquelle courent tous les paléontologues du monde. Ok. L'arrivée à Barockstadt est spectaculaire. Je n'avais jamais vu une telle gare. Vous êtes venu en train ? Oui. Avec une locomotive mécanique dont le ressort se détend régulièrement. Vous êtes donc la conductrice du train ? Oh, les jeunes filles sont bien étonnantes de nos jours. Il y en a qu'on essaye. Non, ce train est piloté par un automate. Excusez-moi, je me doute que tout cela n'est pas facile à croire. Une locomotive à ressort, conduite par un automate. J'ai connu, il y a bien longtemps, un homme qui aurait été capable de concevoir un tel train. Tenez, c'est lui qui a construit le kiosque à musique sur la Grand Place. Pour élaborer ce genre de machine, il était stupéfiant, proprement génial. Mais à côté, curieusement, il était comme un enfant. Son évolution mentale et physique semblait s'être définitivement arrêtée à l'âge de 10 ans. Vous pouvez comprendre ça ? Oh oui, je crois que je peux comprendre. En tout cas, je commence. Mon train s'est arrêté dans une bien curieuse volière. De nombreuses espèces d'oiseaux semblent y avoir trouvé refuge. Bien que l'ornithologie ne soit pas du tout mon domaine de prédilection, je dois reconnaître que cette gare constitue la fierté de l'université. Elle était censée accueillir des étudiants, bien sûr, mais aussi des oiseaux venus du monde entier. Il semblerait que des espèces très rares continuent d'y proliférer. Ah oui ? Lesquelles, par exemple ? On m'a parlé d'une sorte d'oiseau aux mœurs très spéciales. Voyons... Le coucou d'Amerzone, c'est ça ? Mais c'est bête, je ne me rappelle plus ce qu'il avait de particulier. Juste que c'était un drôle d'oiseau. L'Amerzone ? C'est où l'Amerzone ? C'est quoi l'Amerzone ? Je suis réellement désolé, mon enfant. Mais malheureusement, on ne peut pas tout connaître.
la spécialisation est la clé du vrai savoir. Allez donc visiter notre bibliothèque. Merci beaucoup. Si je vous dis Sauvignon forestier d'Amerzone, ça vous dit quelque chose? Voyons, Sauvignon, Sauvignon... J'imagine qu'il s'agit d'un arbuste tropical, n'est-ce pas? Nous parlons bien de la même chose. Un arbuste très rare aux petits fruits juteux. J'ai lu dans un livre consacré à l'Amerzone qu'il existerait ici même à Barockstadt quelques plants préservés. Ça où exactement? Il y a tellement de blabla. Des plants de Sauvignon de l'Amerzone ici? Ah non, je ne crois pas. Non, difficilement plausible. Mais demandez plutôt au chef de gare. C'est lui le gardien de la serre de notre université. Il saura vous renseigner mieux que moi. D'accord, merci. Professeur, c'est un peu délicat. Mais voyez-vous, je ne pensais pas en partant que j'aurais besoin de beaucoup de liquidités. Et en fait, il s'avère que si... Bref, j'ai besoin d'argent et je me disais que peut-être vous pourriez m'aider. Mon enfant, ça aurait été avec plaisir. Et pensez-vous, avec ce que me paie l'université, j'ai à peine de quoi subvenir à mes maigres dépenses. Oh, je ne voulais pas vous gêner. Notez que si je me réfère au cas de Hans, notre université a toujours su récompenser, comme il se doit, ceux qui lui rendent service. Mais ceci relève de l'autorité de nos chers recteurs. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Bon. Attendez, je voulais juste... Il y a un mammouth derrière toi. C'est... ouais. Inutile d'insister, c'est verrouillé. D'accord. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Ok, ok, ok. Bon. Où est-ce que j'ai pas été encore? Mais j'ai été partout, je crois. Plus ou moins, en tout cas. Lequel on viendra ici plus tard, c'est ça. Allô? Alors, vous l'avez retrouvé, notre héritier? Oh, c'est vous, monsieur Marson. Bonjour, vous allez bien? J'irai bien quand cette affaire sera réglée et que les papiers de vente seront signés. Où êtes-vous? Je suis à Barockstadt. Barock quoi? Et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est une grandiose université. Il semblerait que Hans Vorarlberg y soit passé il y a quelques années. Eh bien, s'il n'y est plus, inutile de vous attarder, Kate. Oh, ok, qu'est-ce que... J'entends bien, monsieur. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce Hans Vorarlberg est toujours vivant. Pour le moment, j'ai besoin de recueillir des informations supplémentaires auprès de certaines personnes l'ayant connu. Quelle est votre prochaine destination? Je ne sais pas exactement. Vous ne savez pas grand-chose, Kate. Je demande un peu de temps, monsieur Marson. Bien, tenez-moi au courant. Ça va, la politesse? T'ouvre pas trop, c'est bon. Bon, 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 bon. Tout ce que j'ai trouvé depuis tout à l'heure, c'est un putain de crochet. Attends, on va lui reparler à lui parce qu'on sait jamais. Toi. Non. Bonjour. Salut poupée. Ça gaze? T'as de beaux yeux, tu sais. Puis bien roulé avec ça. Non mais, pour qui vous vous prenez? Elle a son petit caractère, la fille. J'aime ça. Allez, j'accepte de t'offrir un café. Mais je vous ai rien demandé. Ça drop là. Oh là là, ça drop. Je sais que t'en meurs d'envie.
Écoute, gamin, retourne jouer avec tes petites voitures et oublie-moi. Ça drop beaucoup, là, ou pas? N'hésitez pas à me dire, hein, parce que je vois que ça... C'est pas terrible, là. Bon, alors. En gros, il faut que je répare ce truc. Non mais, regarde-le, le machin. Ce truc est coincé. C'est bon. Ok, oula. Attendez, j'arrive 2 minutes. Bon, ça devrait revenir à un truc plus normal, normalement. Le premier truc que mon frère fait en arrivant, c'est lancer un téléchargement. Normal. Bon, c'est très gentil, mais voilà. Ah, attendez, mon deuxième écran vient de se réveiller. Tentative. Attends, j'attends qu'elle passe l'écran, voilà. Hop. Merde! J'aurais pas dû faire ça. Putain, j'ai fait sauter le jeu. Ah non! Ah non! Ah! Ah putain, je suis trop conne. J'aurais dû sauvegarder avant. Oh! Je viens de perdre 1 heure de jeu. Putain, y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu en plus. Bon ben du coup ça va régler le problème, on va couper le stream directement. Ah putain. Ouais bah là ça m'a saoulé pour ce soir. Je relancerai
Enfin, je referais ce que je viens, tout ce que je viens de faire. Oh putain, faut que je refasse tout, tous les dialogues et tout en plus. Béni soit les sauvegardes automatiques. Ouais. Bon, bah du coup, je coupe le stream parce que voilà. Je vais faire à bouffer pour la peine. Voilà, voilà. Bonne soirée, merci d'être passé et voilà. Ciao.